C'est quoi cet arbitre? C'est quoi cette équipe de Tunisie? C'est quoi Wahbi Khazri qui nous rate des pénaltys? Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Là, je... Non, non, moi je vous l'ai dit déjà dans la Coupe arabe, je vous l'ai dit, le niveau il est faible. Franchement, c'est bon. Les Maliens, ils ont bien joué. Hein. Moi je vous l'ai dit il y a 2 jours, hein. C'est une équipe qui va très vite. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on a perdu. Il faut absolument qu'on remonte la pente, mais tain, ça fout la mort. Bon, là, ça fout la mort. Ça fout la mort, cette bonne enfant, bien sûr. Hein. On est bien d'accord, tu sais quand je dis ça. Mais merde et merde et merde. Tout le temps, c'est comme ça. Y a rien. Y a rien. Tu regardes au milieu, y a rien. En défense, y a rien. À part un élément, là, ou deux. Putain de sa mère. Ouais, les frérots, salam alaikum. Hein, qu'on soit clair entre nous. Hein. Tu vois, moi, de ce que les gens vont penser, personnellement, je leur pisse dessus. Mais la tête de ma mère, quand on voit cette CAN, l'organisation. Quand on voit l'hostilité, n'ayons pas peur des mots, l'hostilité envers les pays maghrébins, on se doit d'être solidaire. Marocains, Algériens, Tunisiens, wallah, on se doit d'être solidaire pour de vrai. Hagra, conférence de presse, ça pose des questions, mais qui ont ni queue ni tête. L'arbitrage, les gens, les supporters. Donc on se doit de faire une unité. Moi, Tunisien, l'Algérie, le Maroc qui joue, je suis devant, je fais des doigts. C'est super important. Et ça, cette hostilité, on la retrouve en France. Sur les réseaux, Twitter, rien qui chip, ça insulte les Maghrébins. Je vous le dis, les frères. La tête de ma mère, solidarité. Nous, on se plaint pas, on regarde juste. Et c'est là où tu vois. C'est là où tonton, bah, s'il avait raison, vous verrez plus tard. Ça nous déteste. La tête de ma grand-mère, ça nous hait, ça nous haït. Si on pourrait rayer les hommes, que les hommes maghrébins de la carte. Attention, hein. Que l'homme. Ah, la femme, on la garde. Putain, la femme, on la dilue. On la dilue, comme ça, en même temps, on se venge. T'inquiète pas, va. Pourquoi il y a autant d'hostilité envers nous, envers... Parce que la tombe de mon grand-père, on a visé juste. Et on continuera à viser juste. Wallah. Et là, je parle pas de footballistiquement parlant, les équipes africaines, ils ont toujours eu des bonnes équipes. Le Mali, alhamdoulilah, c'est des joueurs qui jouent super bien. Le Sénégal, et la RDC, tous. Moi, je suis un amoureux du foot, mais moi, je vous parle de l'hostilité, la tête de ma grand-mère. Et tous les gens de la capitale ou de partout, tu les vois dans leur space. Mon frère, c'est des haineux, des maghrébins. C'est des haineux. Wallah! Quand je te dis haineux, c'est même pas en Afrique, c'est en France. Je te parle de la haine. De la haine, il y a des gens, ils rentrent jamais au bled, ils font les nationalistes pendant la CAN. Mais faut voir sur les groupes, les réseaux. Moi, alhamdoulilah, tant mieux, ça m'arrange. Ça prouve que je suis pas un fou. Ça prouve que depuis le début, j'ai raison. Depuis le début. Mais bon, tranquille. T'as rien le Maghreb. Big dédicace à cette CAN, à tous les pays africains noirs qui jouent aussi. Wallah, ils ont des sacrés joueurs. On est amoureux du football. Mais moi, je te parle de toute cette osmose, cette ambiance. Tant mieux. Moi, pour nous, on est content. Parce que wallah, il avim, on n'hésitera plus. On prend plus de pincettes. Wallah, on prend plus de pincettes. On prend plus de pincettes. Et de plus en plus, les gens chez nous voient les choses. Voient. Et tu sais quoi? Il n'y a pas pire aveugle que ce. Celui qui n'a pas envie de voir. Donc toi le maghrébin, si tu vois rien, t'es un faible maghrébin et 12e mec.
Merci.